Chicano. J'ai signé ce qu'on appelle le partenariat entre la RISE et la DGFiP, SG de premier et la DGFiP. Voilà. Monsieur Chataille, si vous voulez, je vous laisse faire la présentation. Avec plaisir, Monsieur le Président. Donc, on a ici tous les protagonistes, on va dire, hein, puisque sur ma droite, Monsieur Montagne, hein, qui est notre conseiller aux décideurs locaux sur le secteur de la RISE VES, donc qui est bien connu aussi, puisque c'est notre ancien trésorier sur le secteur du Mas d'Agile, hein, et Jean-Marie Lecomte, qui est le responsable du SGC. Donc, cet engagement partenarial, c'est vrai que pour nous, c'est un peu l'aboutissement du travail qui est fait, de l'excellent travail fait en commun entre la collectivité et puis les services de la DGFiP. Donc, il y a plein de choses qui se font déjà, et finalement, on va essayer de le faire, de continuer à le faire ensemble. Voilà, s'il y avait un mot, c'est continuer à le faire ensemble, travailler sur la qualité, alors notamment la qualité comptable, parce que c'est important aussi pour les collectivités, parce que ça vous permet aussi d'avoir une bonne vision de l'exécution de vos budgets et d'avoir une transparence sur l'utilisation des fonds publics. Donc je crois que c'est important, la qualité comptable. Et donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue vraiment dans cette lignée qui va permettre d'avoir une qualité comptable qui soit au top. Elle est déjà très bien. Mais il faut qu'elle continue à être au top parce que c'est toujours facile, pas enfin, facile. On prend du temps pour essayer de progresser, mais le pire, ça serait de régresser. Donc il faut qu'on continue à améliorer, à avoir finalement ces bonnes habitudes de travail en commun que l'on a de votre côté et de notre côté. Après, il y a des travaux de fond qui doivent continuer à être faits. Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais je passerai après la parole à Monsieur Montagne qui a préparé avec Jean-Marie l'engagement partenarial. Mais il y a des travaux de fond qu'on va essayer de mener avec vous. Et puis après, il y a cet engagement, c'est aussi ce qu'on va continuer à faire, c'est-à-dire travailler ensemble et notamment sur la formation, formation entre des personnels. Je crois que c'est important aussi, parce qu'il faut qu'on arrive à se caler au mieux entre le service comptable, la DGFiP, et puis du côté de l'ordonnateur, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on se dise toutes les choses, quand ça va bien, quand ça ne va pas bien. Il n'y a pas de choses qui soient insolvables. On peut toujours trouver une solution vraiment pour les résoudre. Donc voilà, cet engagement partenarial, c'est finalement la concrétisation de ce qui se passe bien entre vous et nous. Et voilà, je tenais vraiment à le souligner parce que c'est aussi une marque de fabrique de notre département. C'est qu'on a vraiment des relations avec les collectivités qui sont le tout premier.